Bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent pour cette deuxième journée exceptionnelle dans la ville, dans cette belle ville de Saint-Malo. Donc Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, qui est l'association organisatrice du train, on est vraiment très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes près de 20 000 professionnels de la petite enfance, parents, grands-parents, étudiants, à vous être inscrits aux différentes conférences. Donc on est vraiment très fiers de voir qu'il y ait beaucoup de mobilisation autour de cette action et on vous en remercie, parce que si les choses vont changer, ça sera aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup de votre mobilisation. On a voulu l'action gratuite, donc n'hésitez pas à faire un don, un micro-don par SMS en envoyant un SMS au 9 29 29, ça nous permettra de pérenniser notre action, de terminer de payer le train. Je vous y invite grandement à le faire. Alors pour ceux qui ont free, c'est un peu dommage parce que vous pourrez pas le faire, mais vous pouvez toujours quand même le faire par internet. Donc n'hésitez surtout pas, on vous y invite et puis surtout on vous encourage aussi vivement à aller visiter le train si ce n'a pas été fait déjà hier. Pour répondre par rapport aux questions, on a un principe de questionnement par SMS. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions au 06 37 76 73 84. Si vous voulez le noter, je vous le répète, 06 37 76 73 84. Et pour ceux qui sont dans la voiture conférence, n'hésitez pas, je les reçois en temps réel sur la tablette numérique. Ça permet de centraliser les questions et je pourrai vous y répondre. Notre intervenant pourra y répondre à la fin de sa conférence. Donc on a la chance d'accueillir ce matin Catherine Vernet, qui est membre de notre comité d'experts à bord du train, qui nous a réalisé beaucoup de panneaux au sein du train. On a vraiment beaucoup de chance de la compter parmi nous. Donc vous avez fait votre carrière comme chercheur à l'INSERM en neurosciences. Vous êtes spécialiste du développement cérébral de l'embryon, du fœtus humain et de la prématurité. Vous avez approfondi la mise en place anatomique de la complexité cérébrale ainsi que la neurotransmission. Donc déjà, bravo. Vous allez nous présenter un sujet qui est passionnant sur la part de la génétique et de l'épigénétique dans le développement cérébral de l'enfant. Je vous laisse la parole. Merci, Mick. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous parler du développement cérébral dans sa globalité, parce qu'on ne peut pas isoler les génétiques, de l'épigénétique, de la vulnérabilité. Alors, tout d'abord, le cerveau, c'est le système nerveux central, mais il ne faut pas oublier le corps, parce que le système nerveux central va du cerveau jusqu'à la moelle sacrée. C'est-à-dire l'ensemble du corps. Et la relation entre le cerveau et le corps se fait par le système nerveux périphérique, les voies d'entrée qui sont sensorielles et les voies de sortie qui sont essentiellement motrices. Alors, en fait, j'ai pris l'organisation fonctionnelle décrite par MacLean dans les années 50 parce que c'est la plus simple pour expliquer comment fonctionne le cerveau, bien qu'il y ait énormément d'interrelations entre ces trois cerveaux décrits à tous les niveaux. Alors, tout d'abord, le cerveau archaïque, que je n'appelle pas reptilien, parce que depuis les années 50, on s'est aperçu que les reptiles ont, à l'état d'ébauche, un cerveau limbique et un cerveau cognitif. Donc, c'est plutôt un cerveau archaïque, c'est-à-dire notre relation au monde, comme toutes les autres vertébrés, c'est-à-dire les fonctions végétatives, c'est-à-dire comment nos organes fonctionnent, les voies sensorielles et les voies motrices, les voies d'entrée, c'est-à-dire dans la partie la plus basale du cerveau, Ensuite, au-dessus, on dit au-dessus, mais ensuite, en fait, tout est interagi. Nous avons le cerveau limbique, dont Isabelle a beaucoup parlé, c'est-à-dire les émotions et les mémoires qui sont extrêmement importantes, et le cerveau cognitif avec le cortex cérébral qui fait que nous sommes des humains avec des fonctions intellectuelles, une pensée, une adaptation à l'environnement et un langage. En fait,
Dans la relation corps-cerveau, c'est encore plus complexe. Parce que ce que je viens de vous décrire, c'est le cerveau câblé, c'est-à-dire avec des connexions. Mais en parallèle, nous avons ce qu'on appelle un cerveau endocrinien, avec des hormones, des molécules circulantes. Et justement, ce cerveau endocrinien intervient énormément au niveau des émotions, puisque ces molécules circulent entre le corps, perpétuellement entre le corps et le cerveau. Puis, nous avons aussi un deuxième cerveau, le cerveau nerveux entérique que l'on a découvert ces dernières années. Et c'est très important, puisque, en fait, ce deuxième cerveau qui est se développe de manière génétique avec des neurones, c'est-à-dire 200 millions de neurones, mais en parallèle, on a ce qu'on appelle le microbiote intestinal, qui est, lui, épigénétique. Et ça vous intéresse, puisque ce deuxième génome, qui nous vient de l'environnement, arrive à la naissance, hein, c'est-à-dire au moment de l'accouchement par voie basse, le contact avec la flore vaginale de la mère ensemence la flore intestinale du bébé. Hein. Et cette flore intestinale, c'est quand même pas peanut, hein, parce que c'est quand même 2 kilos de bactéries, virus, parasites, mais ce qu'on appelle commensales. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout pathogènes. Hein. Ils sont là pour nous aider. Mais en fait, ils sont en quantité industrielle puisque vous avez 2 à 10 fois plus de bactéries dans votre ventre que de cellules dans votre corps. Hein? Et comme une bactérie, c'est essentiellement de la génétique, vous avez 99% de votre génétique qui sont épigénétiques, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Donc, il faut être humble un peu devant ces bactéries qui sont là pour nous aider. Et on va de plus en plus comprendre des maladies par rapport à cet équilibre, cette homéostasie qu'on a avec ces bactéries qui nous aident quotidiennement. Alors, qu'est-ce que la génétique ? Ah, qu'est-ce que j'ai appuyé ? Non. Bon. Hop. Alors, je vais vous dire un peu la génétique et l'épigénétique. La génétique, c'est inné. C'est le patrimoine génétique, l'ADN, venant du père et de la mère, qui se trouve dans le noyau de chaque cellule. Donc, le génome humain, c'est très peu de gènes. Actuellement, en 2017, on a 21 800 gènes. Le blé, on a 200 000. Bon, on a peu de gènes. Et chez nous, c'est la régulation des gènes qui compte. Et il faut bien dire que ce qu'on connaît dans la génétique, c'est 1,2% des séquences d'ADN. Ça veut dire qu'on ne connaît très peu. Et cet 1,2% sert à la synthèse des protéines qui construit notre corps, qui est notre corps. Ça veut dire que 95% de l'ADN, on ne connaît pas le rôle. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup encore à apprendre. Et bon, en ce qui concerne la psychogénéalogie, ce qui nous vient de nos lignées, on pressent, on le sent qu'il y a des choses qui se passent, mais on connaît extrêmement peu de choses de ce côté-là. Et c'est ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique. C'est pour ça que le terme épigénétique que l'on emploie actuellement est restreint à cette régulation des gènes. C'est le changement d'activité des gènes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, par exemple, chez des souriceaux dont la mère avait été stressée, c'est-à-dire la mère souris, on la met, par exemple, dans une cage oblique. C'est stressant pour une mère. Eh bien, ça crée des changements dans l'activité des gènes, dans la méthylation de l'ADN ou des histones, ou d'autres changements pour d'autres cas. Et on s'aperçoit que ces modifications sont transmises sur plusieurs générations. Et en particulier, le stress, il est transmis sur plusieurs générations, et même chez les mâles. On a associé chez les pères
une odeur à un stress, et cette association est retrouvée sur plusieurs générations. Alors, qu'est-ce que le développement cérébral ? Enfin, le développement tout court. Hein. À partir de 2 cellules, les 6 premiers mois de grossesse produisent 100 milliards de neurones. Et autant de cellules gliales, hein, et sans compter toutes les cellules du corps. Hein. Soit environ 500 millions de neurones par jour. Vous voyez que c'est un peu magique et que, en fait, la neurobiologie qui essaye de disséquer les différents événements est un peu débordée devant ces processus tellement importants. Alors, il y a constamment une intrication entre les processus génétiques et les processus épigénétiques. Bien évidemment, ça commence par la programmation génétique, c'est-à-dire l'expression des gènes, des molécules, des cellules, des organes, pour que ceux-ci se forment. Mais vous avez tout de suite de l'épigénétique dans l'interaction mère-enfant, par exemple l'autonomie que vous connaissez, ou simplement l'expérience du vivant, c'est-à-dire l'expérience du stress de la mère, là, dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, à la naissance, bien évidemment, l'épigénétique est énorme, puisque c'est le contact avec l'environnement qui structure la génétique. Mais ça commence par de la génétique, de la programmation génétique, avec l'expression des gènes, des molécules, ce que je vais vous montrer tout de suite. En fait, les choses ont changé quand on a découvert, dans les années 80, les morphogènes, c'est-à-dire les gènes qui programment la formation de notre disque dur cérébral. Hein, c'est-à-dire que c'est un processus cérébral et le corps aussi. Hein, c'est les mêmes processus pour le corps. Hein. C'est-à-dire que c'est une suite d'événements géniques, moléculaires et cellulaires qui se succèdent. Et ces mécanismes se succèdent, s'induisent ou s'inhibent dans une séquence spatio-temporelle stricte. Ça veut dire qu'on construit un corps comme on construit une maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le toit avant de faire le plancher. Donc, vous voyez, dans le schéma de MacLean, on va commencer plutôt par le bas. Hein, le cortex cérébral va se faire plus tard. Hein. Et d'ailleurs, dans l'embryon, c'est assez étonnant, on a ce qu'on appelle une plaque du plancher et une plaque du toit. Donc, vous voyez, c'est exactement comme une maison. Donc, ce que j'ai fait dans mon travail, c'est que j'ai essayé de comprendre comment était organisée chez l'embryon humain cette morphogénétique spatio-temporelle. En fait, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le développement des neurones. Alors, les neurones, ce sont des cellules comme les autres, c'est-à-dire avec un noyau et un cytoplasme, mais en plus, elles ont ce qu'on appelle des prolongements. Je ne vais pas vous le dire en long, mais c'est comme les fils électriques. Et au bout de ces fils électriques, il y a des synapses qui permettent de servir de prise entre les différents neurones. Mais dans le disque cérébral, on aura à fabriquer donc 100 milliards de neurones, comme je vous l'ai dit, mais aussi de 1000 à 10 000 synapses par neurone. Ça va fournir, chez l'adulte, 176 000 kilomètres de connexion. Et ce qui est très important, ce sont les connexions, plus que le neurone. On peut perdre des neurones, il n'y a aucun souci. Mais sur quoi on peut agir, ce sont nos connexions. Hein. Donc, et en plus, ça utilise beaucoup d'énergie, c'est très important. Donc, vous voyez, au début, il y a la formation des neurones, ensuite la formation des connexions. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la nature fait bien les choses. La nature génétique programme du trop, une exubérance qui fait que le cerveau de bébé, dans le cerveau de bébé, il y a trop de neurones, trop d'axones, trop de synapses. Quand il va arriver, formidable, il est ouvert à tout. Et l'interaction avec son environnement va sculpter, stabiliser certaines connexions et éliminer celles qui ne sont pas utilisées.
Et ça, à n'importe quel âge de la vie, c'est ce qu'on appelle le pruning, une espèce d'élagage qui se fait même jusqu'à l'adolescence et jusqu'à tardivement. Hein. Et c'est-à-dire, alors c'est ce qu'on va définir les périodes sensibles pendant l'enfance. Alors, je me répète, la génétique fournit trop de neurones et d'axones et de synapses. L'expérience, uniquement l'expérience, d'où l'éducation, c'est ça qui nous forme, c'est l'expérience. L'enfant doit expérimenter à tous les niveaux. Donc, ce qu'on lui dit, ça n'a pas d'importance, c'est ce qu'il doit faire. C'est l'expérience qui sculpte le cerveau. Hein? Donc, il y a un élagage, une stabilisation des connexions, un disque dur cérébral. Hein? Et à partir de ce disque dur cérébral, c'est là que va se faire la plasticité. Alors, comment est-ce que ça commence ? Ça commence par une stimulation absolument nécessaire pour la mise en place des fonctions. Comme exemple, je vous montre Cora de Lorenz, vous connaissez ce cas. Cora de Lorenz, c'est le père de l'éthologie qui a eu l'idée dans les années 40 de se mettre juste dessus un œuf d'oie cendrée au moment de l'éclusion. Il est là, dessus l'œuf, l'oie cendrée, quand elle sort de l'œuf, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle sent Cora de Lorenz, et Cora de Lorenz sera sa mère à vie. Ça veut dire que les oies cendrées vont suivre Cora de Lorenz pendant toute leur vie. Donc là, c'est une période critique, extrêmement critique, dans le sens où ça dure quelques minutes et c'est à vie. Pour nous, les périodes critiques sont beaucoup plus longues, sensorielles, motrices, émotionnelles, cognitives et la socialisation. Par exemple, on sait bien que si un enfant ne marche pas avant à 5 ans, on se pose quand même des problèmes. On se dit, tiens, ça ne va pas. Et plus on attend, plus c'est difficile. Donc c'est ça les périodes critiques. Alors, la plasticité, justement, par rapport à ces périodes critiques, je vais vous prendre deux exemples. Un bébé qui a une cataracte à la naissance. Maintenant, on sait que si on ne l'opère pas, il devient amblyope, ça veut dire qu'il perd l'œil où il y a la cataracte. Donc, on sait ça, et d'ailleurs en Inde, les gens passent dans les villages pour opérer les enfants de manière à prévenir de devenir aveugle. Donc, c'est quand même grave. Si l'opération de fait de 0 à 6 ans, on a une récupération partielle ou totale, hein, ça veut dire qu'en fait, actuellement, on le fait très tôt, de manière qu'il y ait une récupération totale. Si l'opération se fait de 7 à 17 ans, on a des résultats positifs sur un quart de la population, ça veut dire 25%, tandis que pour 75%, eh bien, ils n'arrivent pas à récupérer. C'est ça la période critique. Alors, pour passer à un sujet complètement différent, les orphelins de Roumanie, c'était une étude grandeur nature. Vous savez que sous Ceausescu, on mettait les enfants, on leur prenait aux parents, on les mettait dans des orphelinats où on les laissait avec très peu d'encadrement et les enfants, il y en a qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir leur biberon. Bon, et à ce moment-là, à la chute de Ceausescu, on a essayé d'aider ces enfants. Tout le monde occidental est allé aider. Et en fait, on s'est aperçu que ces enfants qui n'étaient pas du tout stimulés avaient une atrophie des lobes frontaux, une hypertrophie de l'amygdale, puisqu'ils avaient peur, ils ont eu peur tout le temps. Donc, c'était assez grave. Mais, comme vous le savez, la résilience est extrêmement importante. Rien n'est perdu. Et sur des milliers d'enfants roumains, on s'est aperçu que 70% des enfants adoptés tardivement ne montrèrent pas de désordre sévère du comportement d'attachement. Ce qui est quand même une très bonne récupération, même s'il y en a 30% qui restent sur le carreau.
Donc, vous voyez, on a quand même une marge de manœuvre sur la discussion de savoir si ça se jouait tout avant 6 ans. Quand même, il y a énormément de marge de manœuvre tout au cours du développement. Alors, la naissance, c'est un feu d'artifice, hein, là. Tout d'un coup, il n'est plus dans l'eau complètement à l'abri, en sécurité, et tout est nouveau. C'est pour ça qu'il dort beaucoup, pour intégrer tout ce qu'il voit. Parce qu'il a, pour son développement, à intégrer toutes ces choses nouvelles au niveau, justement, de ses connexions. Parce que chaque fois qu'il voit quelque chose, etc., il stimule et stabilise les synapses. Et bon, je ne vais pas développer beaucoup sur l'attachement, mais de toute façon, il ne peut rien faire s'il est stressé. Hein. Parce que à la naissance, le circuit du stress, l'amygdale, est présent, est actif, et aussi le circuit de récompense. J'ai travaillé sur la dopamine à la Salpêtrière, sur le développement, justement, des systèmes dopaminergiques chez l'embryon et le fœtus humain. Et j'ai vu que la dopamine du cortex cérébral du fœtus est quasiment, la morphologie, elle est quasiment comme chez l'adulte. Ça veut dire, alors, c'est pas dire que toute la fonction est là, mais c'est ici, c'est déjà là. Et c'est pour ça que le comportement d'attachement adéquat, hein, est très important. Alors, les 6 premiers mois de la vie, c'est la période de toutes les possibilités. Avec cette exubérance, le bébé est capable d'entendre tout le son de la langue française, chinois, japonais. Ça veut dire qu'il est capable d'entendre tous les sons. Au fur et à mesure qu'il entend du français, il va stabiliser le circuit français. Et comme il va stabiliser le circuit français, il va éliminer les autres. Ça veut dire que si vous avez la chance d'être dans un environnement multilinguistique, allez-y, hein, n'hésitez pas, stimulez-le, parlez-lui, même si vous avez l'impression que ça ne fait rien, vous lui parlez dans la langue. Parce que, en fait, nous, les Français, comme on a supprimé le patois pour avoir le français pur jus, n'empêche qu'on est vraiment nuls en langue. On n'a qu'à voir les personnes d'Europe centrale où ils sont obligés, avec leur petit pays, d'apprendre les langues d'à côté. Et ils sont bien meilleurs que nous dans les langues. Il n'y a pas photo, vous voyez. Donc, c'est quand même très important. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai travaillé aux États-Unis, à Baltimore. Et à Baltimore, 50% de la population est noire. Et à un moment, mon mari et mon fils sont venus me voir. Mon fils avait 2 ans et demi. Et puis, on va se promener, on va dans un centre commercial. Et à un moment, on dit, oh, ben, dis donc, c'est bizarre. On ne sait pas, c'est bizarre. Toutes les personnes autour de nous étaient noires. Sans exception. On était les seuls blancs. Bon, nous, ça ne nous pose aucun problème. On a vaqué à nos occupations, on a acheté 2-3 trucs, et puis on va à la caisse. Et là, mon mari avait mon fils dans ses bras. Il y a une femme noire qui dit « Ah, mon petit, machin, etc. » Mon fils, qui est placide et tout, lui a craché à la figure. Vous voyez ma stupéfaction. Voyez, moi, que je suis la seule blanche, mon fils crache à la figure de cette femme. J'étais mal. Hein. Et j'ai compris, justement, que... il n'avait dans son environnement jamais vu une personne noire. Et tout d'un coup, tout le monde était noir. C'était insupportable pour lui. Vous voyez, donc, l'inné rencontrant l'environnement, c'est quand même quelque chose. Il faut essayer. Maintenant, je comprends sa réaction. Mais sa réaction, elle est biologique. Vous voyez, elle est physiologique. Donc, c'est quand même vers 9 mois, si je l'avais amené à 6 mois, il n'aurait rien dit. Il n'aurait rien dit, il l'aurait regardé comme ça en disant « tiens, voilà, il n'aurait rien dit ». Tandis que là, comme il était plus âgé, la spécification des figures noires, des figures blanches était tellement importante qu'il ne pouvait pas envisager
d'avoir une personne noire. Donc, vous voyez, après, il faut réadapter, réouvrir des connexions de manière à ce que la diversité rentre, la différence rentre dans l'éducation. Puisque cette spécification, plus quand on stimule les choses, ça devient des autoroutes. Hein. Donc, plus on stimule, plus on reste sur le statu quo. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le bébé est naturellement altruiste. Hein, c'est-à-dire que à la crèche, à 6 mois, il est capable d'aller s'occuper, rendre un doudou de l'autre. Hein, mais malheureusement, cette spontanéité sympathique est perdue à l'âge de 2-3 ans. Donc, on a par notre éducation à essayer de prolonger cet état de fait, parce que cette aptitude nous vient du néolithique. Du temps du néolithique, les groupes sociaux étaient tellement restreints qu'ils étaient obligés de s'entraider pour survivre. Donc la survie faisait qu'ils s'entraidaient. Mais et à cette époque-là, il n'y a aucune trace de guerre. Donc, vous voyez, quand on dit que l'homme de la préhistoire était en retard par rapport à nous, on peut peut-être se poser des questions hein, par rapport à notre société actuelle. Alors, l'apprentissage se fait par imitation. Hier, je n'ai pas bien pu répondre à la question parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'imitation est omniprésente pour l'humain, mais on ne sait pas trop par comment ça marche. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est l'histoire des neurones miroirs. Je vais vous raconter comment on a découvert ça. Alors, les neurones miroirs, Rizzolatti était dans son laboratoire avec son équipe, travaillant sur le cortex moteur de singe. Donc, le singe faisait des gestes et les neurones du cortex moteur étaient stimulés quand il faisait des gestes. Hein. Donc, c'est moteur. Pur moteur. Ils sont partis manger un sandwich. Et quand ils sont revenus, le singe a dit, oh là là, il a vu le sandwich, il a dit, mais moi, j'aimerais manger un sandwich. Hein? Donc, ces neurones, tout d'un coup, ils entendent les neurones moteurs cracher, comme ça disait, comme si le singe mangeait le sandwich. C'est-à-dire que l'intention vaut l'action. C'est important, ça. L'intention vaut l'action. Et ça, c'est utilisé par les sportifs. Quand vous avez quelqu'un qui fait une course de ski, au départ, il revoit dans sa tête toutes les portes. C'est comme s'il faisait la course. Il entraîne son cerveau comme s'il faisait la course. Et son système moteur. C'est assez incroyable. Donc, chez l'homme, on a énormément de mal à trouver de manière expérimentale ces neurones moteurs, ces neurones miroirs, mais c'est tellement évident avec le désir mimétique de René Girard, avec le fait qu'on voit bien dans nos relations combien l'autre intervient dans notre ressenti, dans nos émotions. Isabelle en a beaucoup parlé et c'est extrêmement important. Ensuite, justement, il faut sortir de l'imitation. Hein ? Le problème, c'est qu'on sort de l'imitation en inhibant cette imitation par le cortex préfrontal. Hein. Donc, c'est extrêmement important et ça se fait seulement à partir de 7 ans. C'est pour ça que l'apprentissage du langage est compliqué, parce qu'on est obligé d'inhiber. Si vous voulez que je vous explique, je vous expliquerai. Alors, l'autonomie passe par le cortex moteur, par le moteur, le développement moteur. Comme je vous l'ai dit, les voies d'entrée sont sensorielles et les voies de sortie sont motrices. Et Isabelle, j'ai beaucoup aimé quand tu as insisté sur le fait qu'il faut toujours qu'il y ait une porte de sortie pour les émotions. Parce que si elle reste scotchée là, la porte de sortie, elle est motrice. Hein. C'est pour ça que quand il y a un enfant qui est dans ses émotions, il faut lui trouver une porte de sortie. Soit sensorielle, soit motrice, passée par le corps.
C'est le corps. Hein, il faut passer par le corps. Donc, vous voyez, l'autonomie, bien évidemment, la relation au monde se fait avec notre corps et notre corps moteur. Donc, le développement moteur est extrêmement important pour les enfants. Je ne vais pas tout vous détailler, le développement moteur, mais toutes les étapes et la confiance dans ce développement moteur. Et la confiance de l'environnement qui n'est pas... Et dans notre, comme tu disais, dans notre société tellement sécuritaire, tellement... qu'on ne laisse pas les enfants faire leurs expériences, mais il faut tomber pour s'apercevoir que c'est dangereux de courir vite. Hein, si on ne tombe pas, et bien, vous voyez, les limites, elles se forment par l'expérience. Alors, chaque enfant va développer son intelligence singulière, ses talents, au contact de l'environnement. Alors, il y a énormément de formes d'intelligence. Notre éducation insiste sur l'intelligence logico-mathématique ou verbale-linguistique, mais en fait, il y a la relation au corps, il y a la relation à l'espace, il y a la relation avec soi-même, intrapersonnelle, qui est quand même très importante si on se pose des questions. C'est quand même important. Ou interpersonnel, si on est un être social, plus. Donc, vous voyez, chacun doit développer son intelligence. Et j'ai rajouté l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle n'était pas sur ce schéma de 97. Hein. Donc, et maintenant, on parle de l'intelligence naturaliste. Qu'est-ce que c'est l'intelligence naturaliste? C'est nos sens dans la nature. Et les enfants sont très avides de ça, puisque c'est notre environnement quotidien. Alors, ce qu'il faut dire, cette notion de plasticité a mis énormément de temps à se développer parce que nous avons des neurones pour la vie. Ça, c'est clair. On a des neurones pour la vie, comme on a un cœur quasiment pour la vie, mais toutes les autres cellules du corps se renouvellent continuellement. Hein ? Sauf le cerveau, si les cellules qui nourrissent le cerveau se renouvellent, mais pas les neurones. Donc, on a découvert aussi qu'il y avait des neurones qui étaient générés continuellement au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire de la mémoire consciente émotive, et au niveau du bulbe olfactif, c'est-à-dire la relation au monde. Là, on a acquis ça avec nos ancêtres, les rongeurs ou les chiens. Donc, vous voyez, il y a des régions qui se renouvellent tout le temps, et ça, c'est très important de les stimuler par le système des sens et le système moteur aussi. Alors, plus les connexions sont utilisées, plus les synapses sont utilisées, plus elles se renforcent. D'où la difficulté de sortir de nos habitudes, parce qu'on fait toujours la même chose. Et la plasticité se fait au niveau des connexions. Il faut varier les activités des enfants, hein, sinon elles deviennent des autoroutes. Alors, quand on parle des tablettes, le problème que là, il y a encore le système de plaisir et de récompense, qui, lui, est fort peu plastique. C'est ça qui nous pose des problèmes, parce qu'il n'est pas plastique, le système de récompense. On est obligé de repasser par des circuits cognitifs autres pour essayer de le moduler. C'est pour ça que les addictions sont si difficiles à soigner. Hein. Donc, essayez de ne pas avoir trop d'habitudes. Par de nouvelles activités, on mobilise d'autres réseaux. Parce que les neurones, ils sont là, mais ils sont là en attente. Hein, et si vous allez chercher d'autres collatérales, chercher des chemins de traverse, hein, en faisant d'autres activités et en faisant faire des activités à vos enfants, parce que le cerveau, il fonctionne un peu par défaut. Si vous ne réfléchissez pas, eh bien, quand vous sortez de chez vous, vous allez à votre travail alors que vous voulez aller ailleurs. Hein. Il fonctionne par défaut parce que comme il a des autoroutes, il prend l'autoroute. Il prend l'autoroute directe. Hein, et puis vous, vous dites « Ah, mince, je me suis trompée, il faut que j'aille là. » Mais vous voyez, on voit très bien comment ça fonctionne. Alors, je vais vous faire une petite... alors, comment ça marche ? Euh.
Okay, Lynn, so what alors, we've got here c'est is un, l'illusion de la main en caoutchouc. Your left hand is in alors, vous position. Voyez, la personne a sa main right hand, gauche, sa vraie main, sa main droite derrière le rideau et sa main en caoutchouc qui remplace la main droite derrière le rideau. Sense of body et is. À ce moment-là, I'm going to start brushing, le chercheur est en train de caresser right la main en caoutchouc finger, et la main derrière exactly le rideau. The same time elle caresse, finger, il caresse en même exactly temps, vous voyez, ça ne dure place pas longtemps. Hein? Et elle lui demande ce qu'elle ressent. Right now, you're feeling touch on your right hand, but voilà, after a minute or so, you'll start to feel. Oh, that feels very strange. Voilà, c'est bizarre. Okay. So j'ai l'impression que la main en caoutchouc, c'est ma main. Hein, c'est vraiment bizarre. Where? On the rubber hand. Voilà, alors il caresse. I get you to voilà quickly close your eyes and point alors, to faire, elle lui demande de fermer les yeux, vous allez voir pourquoi. Et de montrer yep la main qui est caressée. Vous so voyez, elle montre la main well, en caoutchouc et pas l'autre. Parce qu'elle la voit. Hand, voilà. Where this rubber hand is. Il continue de caresser. Il a donné un and gros coup sur la main en caoutchouc qui n'est en aucun cas relié à son corps. If you threaten or et elle a réagi comme si c'était sa vraie main. A genuine physiological response. That was very strong. I'm voilà. My heart's going. That's right. Voilà, so elle a même eu le cœur qui battait. Undergraduates hein doing that. And if we put c'est comme un stress. On you to measure ça the response, a été un stress alors que ce n'est même pas son corps. Me striking this hand as donc, if I'd struck voilà your real hand or your left hand. Wow. So it just demonstrates in only a minute that voilà, actually en une minute, your minute, sense of body in your system s'est arrêté. Voilà. Alors, hop. Non, hop. En une minute, le système. Vous voyez, ce que je vous ai montré ça pour vous dire combien la plasticité cérébrale était rapide. Parce que regardez ça. Deux minutes, là, trois minutes, ça suffit pour se faire l'illusion que cette main en caoutchouc était la sienne. Donc, vous voyez, bien évidemment, les connexions sont labiles. Ça veut dire qu'à la fin de l'expérience, comme elle s'arrête, c'est terminé. Hein, elle ne va plus penser à ça. Pour stimuler des connexions, il faut le faire, refaire, 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 refaire. Vous le voyez bien dans l'éducation. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Vous faites 10 fois la même chose pour que ces connexions soient stimulées, se renforcent et deviennent des circuits, le disque dur. Hein. Donc, ici, mais on s'est aperçu que des étudiants qui jonglaient avec 3 balles pendant 3 mois, ils avaient quand même une augmentation de l'épaississement de leur cortex moteur pendant 3 mois simplement de jongler. Vous voyez, c'est-à-dire que la plasticité, elle se voit maintenant à l'IRM. Elle se voit. Et on voit que les pianistes ont le développement de la représentation de la main 10 fois plus grosse dans leur cerveau que le tout un chacun. Donc, vous voyez, cette plasticité existe à tous les âges. Hein. C'est tout le temps. Mais le problème, quand on vieillit, c'est plutôt de sortir de ses habitudes. C'est pas la plasticité, c'est de sortir de ses habitudes. Parce que comme on a renforcé pendant 60 ans, ben c'est plus difficile de changer que si on a renforcé pendant 10 ans. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt ça, le changement. Alors, le mental, bien sûr, le mental, c'est ce qui va se développer au fur et à mesure de l'âge de raison, à partir de 7 ans, au fur et à mesure, au niveau du cortex préfrontal, qui est en fait la tour de contrôle avec l'attention qui est assez restreinte chez les enfants, mais qu'on a à développer continuellement et que malheureusement, on perd avec les tablettes. Mais n'empêche qu'on est humain parce qu'on a de l'attention et de l'intention. Alors, si on en perd un bout, c'est assez grave. Hein.
C'est très grave même, hein. C'est la mémoire à court terme, c'est la programmation de l'action. Et cette maturation du cortex préfrontal, on pensait qu'on donnait le droit de vote à 18 ans. Mais maintenant, cette myélinisation, ce développement du cerveau, on s'aperçoit qu'il est très lent et que les jeunes ont pas une myélinisation complète avant 23 ans. Donc, en fait, ils doivent continuer à expérimenter pour devenir des êtres adultes sociaux adaptés. C'est compliqué, hein ? C'est pas simple du tout. Alors, je veux parler un peu des vulnérabilités, hein, c'est-à-dire le fait que, quand même, il y a des syndromes qui sont très graves, comme le syndrome de l'enfant secoué, où, en fait, avant 10 mois, les connexions entre le cerveau et le corps, au niveau de la nuque, sont pas du tout myélinisées, parce que l'enfant... Le bébé commence à myéliniser les connexions motrices à partir de la naissance, hein, pas avant. Donc vous avez des connexions qui font des axones qui sont très très fins, hein, qui font 0,1 micron, qui vont du cortex frontal jusqu'à la moelle sacrée, ça fait presque 1 mètre. Si vous secouez l'enfant, etc., sans faire attention, eh bien vous pouvez couper ces connexions et c'est à vie, parce que les connexions elles repoussent pas. Comme elles ont fait le chemin depuis chez l'embryon très très jeune, elles ne repoussent pas. Donc vous avez des morts, vous avez des séquelles qui sont extrêmement importantes. Et puis je voulais vous raconter l'histoire du syndrome d'alcool fœtal parce que c'est un mélange de génétique et d'épigénétique. Parce que, bien heureusement, les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts pour supprimer l'alcool à tous. Hein, l'alcool chez les femmes enceintes, systématiquement. Ils font bien, parce que le problème, c'est qu'on n'est pas égaux dans notre corps, dans la quantité d'un enzyme qui s'appelle l'alcool des ginrosinages. Il y en a qui en ont beaucoup, et qui sont capables d'éliminer l'alcool en moins de 2, et il y en a qui n'en ont pas. Et quand on a ça dans sa génétique, eh bien l'alcool, il passe directement dans le sang. Alors, bien évidemment, vous pouvez boire un verre de vin, mais je pense que les programmes, c'est surtout pour les jeunes femmes qui boivent trop en fin de semaine, le binge drinking ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que si elles diminuent un peu, elles pensent qu'elles ont diminué, mais elles n'ont pas encore diminué assez si elles n'ont pas d'alcool déshydrogénase. Hein. Et c'est pour ça qu'on a dans des milieux défavorisés, enfin, pas seulement dans des milieux défavorisés, mais des personnes qui ont l'habitude de boire des problèmes d'alcool fœtal. Alors, l'autisme. Maintenant, de plus en plus, on pense à la piste génétique. Hein. C'est-à-dire, dans toutes ces connexions qui doivent trouver leur chemin dans le cerveau, bien évidemment, surtout au niveau du cortex cérébral, parce que les connexions au niveau du... quand c'est tout à fait au début, y a avortement, puisque, en fait... ça ne fonctionne pas le système, donc ce n'est pas viable. Donc s'il y a des avortements avant 2 mois, il ne faut pas s'étonner, c'est qu'il y a des bugs dans la formation du corps, donc il n'est pas viable, il est éliminé. Le problème, c'est que les connexions au niveau du cortex, elles se font beaucoup plus tardivement. Elles se font à partir de 12 semaines, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des bugs, et je pense que les autistes, c'est des bugs. Alors, des bugs positifs, c'est les Asperger, et puis c'est pour ça qu'on appelle ça le spectre autistique, parce que chaque autiste est un peu différent. Hein. Et on s'est aperçu que chez les jumeaux, quand un des vrais jumeaux, hein, c'est-à-dire avec le même patrimoine génétique, hein, quand un jumeau est autiste, le deuxième a 60 à
50% de risque de devenir autiste. Hein? Alors que chez des faux jumeaux, c'est seulement 10%. Donc vous voyez, la part de l'épigénétique, elle est très faible par rapport aux génétiques qui est quasiment des deux tiers. Hein? Donc c'est quand même important. Alors, pour terminer, on voit clairement qu'il y a une interaction continuelle entre la génétique et l'épigénétique à tous les niveaux. Et juste comme exemple, chez les vrais jumeaux, on a essayé d'étudier la part de l'héritage dans l'élaboration de la personnalité associant le caractère, le tempérament de l'individu. Eh bien là, on s'aperçoit, c'est quasiment 50-50. Hein, c'est-à-dire, 50, ça va de 40 à 60%, 50 de part de génétique et 50 de part de l'environnement. Voilà, j'ai terminé. Donc, si vous voulez que je vous envoie le PowerPoint, vous avez qu'à m'envoyer un mail à vernetconférence@gmail.com et je vous enverrai le PowerPoint pour vous aider à intégrer toutes ces données. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vraiment toujours aussi clair la part de. Pourtant, c'est un sujet qui est quand même pas facile. Et donc, pour des non-initiés, donc merci beaucoup, Catherine. Alors, il y a pas mal de questions. On va devoir aller vite. Je vais poser une question de la tablette et je prendrai votre question après, madame. Donc, quelles peuvent être les conséquences d'une césarienne incluant une séparation de l'enfant et de la maman à la naissance sur l'épigénétique du bébé ? Je ne connais pas le sujet, je ne connais pas vraiment le sujet, mais je pense que c'est quand même important actuellement d'en parler aux médecins et de dire que vous avez envie d'avoir comme si c'était un accouchement par voie basse. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas que le sujet soit tabou. Quant aux conséquences, à mon avis, on ne les connaît pas encore. On ne connaît pas encore assez cette flore intestinale qui on commence seulement à essayer de faire des groupes comme des groupes sanguins de flore intestinale, mais on en est tout au début. Faites de la prévention, c'est-à-dire parlez-en au médecin en disant « moi j'ai envie que les choses se fassent comme par voie basse ». Voilà. Commençons par ça puisque c'est quand même assez nouveau ce sujet. Voilà. Merci. Ah bon, c'était la même question. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis pédopsychiatre de formation. Quand je vois l'expérience de la main au caoutchouc, je pense par exemple à des enfants qui peuvent... Enfin, je fais le parallèle à des enfants qui peuvent être exposés très régulièrement, par exemple, à des situations stressantes, dans le cadre de violences intrafamiliales, par exemple, ou de maltraitance, et qui ont des risques ultérieurs de devenir soit auteurs, soit victimes à nouveau de violences quand ils sont plus grands. Est-ce qu'on peut penser que ce phénomène dit de répétition peut être en lien avec une forme de plasticité ? Ah ben, la répétition, comme je vous le dis, la répétition stabilise la situation. Alors, une bonne situation comme une mauvaise situation. C'est ça le problème. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour traiter ça, de plus en plus de passer par le corps, de passer par des techniques qui sont sur les sensations ou des techniques motrices. Peter Levine, vous voyez, il y a des techniques maintenant. Elles sont plutôt anglo-saxonnes parce que nous, on est un peu réticents dans nos systèmes, mais le neuro-optimum, le neuro-optimal, comme l'a dit Isabelle, je pense qu'on va découvrir de plus en plus de techniques qui repassent par le corps. Les voies d'entrée, les voies de sortie, hein, c'est pas la peine de tourniquer en haut, hein, il faut passer par les voies d'entrée, les voies de sortie. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va prendre cette dernière question avant de clôturer. Oui, le changement en épigénétique, le changement d'activité des gènes, il est donc bien réversible, parce que c'est ce qui est noté sur les panneaux du train de la parentalité. Et moi, j'avais un petit peu la notion que ça pouvait être irréversible.
Non, parce que ce n'est pas la séquence des gènes. Hein. Ce n'est pas la séquence des gènes qui a changé. Donc, c'est simplement une réaction chimique. Oui, je pense que ça peut être réversible. Oui, je pense que c'est réversible. Ça dépend aussi de l'intensité, du nombre de gènes. Vous voyez, chaque question. Je ne peux pas vous dire que c'est réversible dans tous les cas, mais je pense que c'est réversible. Oui, c'est comme une activité chimique, c'est réversible. Oui ? C'était par, vous avez bien parlé du syndrome d'alcoolisme fœtal. Oui. Qu'en est-il pour vous sur les perturbateurs endocriniens ? Je ne connais pas le sujet. Je pense que de plus en plus, peut-être que toi, tu connais plus le sujet des perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les études sont quand même... Et ça agit... Je pense justement à ce cerveau endocrinien, de toutes ces molécules circulantes qui vont aller se fixer sur des récepteurs aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau du corps, et que effectivement, à haute dose, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres avec la génétique. C'est toujours la même chose. Il y a des gens sur lesquels ça fera rien, et puis d'autres personnes sur lesquelles ça fera de l'effet. On peut lire le livre « Le cerveau endommagé » de Barbara Domenech, hein, qui est excellent, très clair sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour encore toutes ces réponses. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'est toujours beaucoup d'explications sur le développement cérébral.